tous, je suis heureuse de passer ce mois d'août en votre compagnie sur Europe 1 au 39-21. Car comme l'écrivait la pédiatre et psychanalyste Françoise Dolto, tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité, visant à un seul but commun, l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. C'est donc ce à quoi participe justement la libre antenne d'Europe 1, vous offrant 2 heures de direct chaque soir. Y sont évoquées vos histoires personnelles, qui ont tout lieu d'être enrichies de nos échanges, mais aussi de l'écho des SMS de nos auditeurs. De même, si singulières soient-elles vos histoires, elles ne manquent pas de faire écho à l'histoire d'autres auditeurs que vous éclairez ainsi à votre tour. Je vous invite donc à m'appeler au 39-21 où Sonia et Quentin vous accueillent et le cas échéant vous rassurent si vous étiez un peu inquiet quant à cette aventure. Pour l'envoi de vos SMS ou mails, fruits de vos réflexions ou propositions de mise en contact pour poursuivre hors antenne la richesse justement de ces communications, eh bien c'est par SMS au 739-21 en faisant précéder votre message du mot nuit ou par mail sur le site europe1.fr à la rubrique Libre Antenne. La réalisation de cette émission, ce soir encore, la délicatesse de Nicolas Godet. La libre antenne, c'est tout de suite. 39-21. Europe 1. Catherine Blanc. Bonsoir Catherine. Bonsoir Catherine. Alors, je suis heureuse de vous entendre Catherine. Pour les auditeurs qui nous écoutaient déjà hier, nous avons commencé à parler ensemble. Vous avez commencé à nous raconter un peu ce qui vous arrivait. Et puis, nous étions obligés d'arrêter notre communication puisque vous étiez en route, puisque vous pilotez votre poids lourd sur les routes de France. Et donc, nous ne voulons pas risquer votre sécurité, et donc nous avions dû arrêter notre communication pour la reprendre maintenant. Vous allez bien ? Oui, très bien. Vous allez bien, d'accord. Et cette fois-ci, vous êtes bien arrêté. Oui, et puis là, je suis dans ma voiture, je suis sur le parking, j'ai pas de bruit autour de moi, je suis tranquille. Parfait, très bien. Alors, si vous le permettez, je vais rappeler un petit peu pour les auditeurs qui nous retrouvent ce soir et qui n'étaient pas là hier, rappeler un petit peu ce qui est votre histoire. Donc, vous avez 40 ans. Si vous me dites, parce que si depuis hier, si j'avais oublié des choses ou si je les avais déformées, n'hésitez pas à me le signaler. Donc, vous avez 40 ans, vous avez 4 enfants, vous êtes mère célibataire, vous êtes depuis donc 5 ans dans ce métier à conduire un poids lourd. Et votre difficulté, c'est que vous êtes entouré bien sûr d'hommes avec qui vous avez des relations faciles, mais pas avec les femmes, et c'est ce qui vous fait souffrir. Vous peinez à vous faire des amis parce que généralement vous avez le sentiment de susciter de la jalousie puisque vous arrivez à mener assez brillamment, assez fortement, assez solidement à la fois votre vie de maman et tout ce que cela implique, hein, et également votre métier qui vous fait courir les routes. Et souvent, donc, vous rencontrez une sorte d'hostilité de la part de ces femmes dont vous cherchez pourtant la relation. C'est bien ça ? Voilà. Ouais, une relation amicale. Ouais. Oui, la relation amicale, bien sûr. Voilà. Donc, donc, vous voulez comprendre, vous me disiez, avant que nous nous soyons interrompus, vous me disiez, je voudrais savoir pourquoi et surtout qu'est-ce que moi, éventuellement, je provoque ou suscite qui fait la difficulté de mes relations ou mon impossibilité de relation avec elle. Voilà. Alors, ce que je vous proposais avant que nous n'ayons été coupés, c'était de me dire d'une façon générale, comment vous êtes construite justement en tant qu'enfant vous-même dans vos relations avec les filles, déjà à l'école ou déjà dans votre petite enfance, votre relation amicale avec les filles, comment s'est-elle faite ou pas faite déjà avant d'être cette femme solide ou en tout cas d'apparence solide, capable de mener de front toutes les tâches qui vous incombent aujourd'hui? En fait, déjà toute petite, j'avais des copines, mais j'étais tout le temps en écart, quoi. Et quand je faisais du volley aussi, parce que j'avais mon groupe de volley,
Eh ben, je sais pas, je me sentais aussi à l'écart, donc je sais pas. Peut-être que c'est moi qui a du mal à aller vers les femmes, ou je sais pas. Mais je sais qu'elle est déjà à l'époque, enfin déjà quand j'étais enfant et adolescente, j'avais beaucoup de mal à aller vers Les filles. vers les filles, quoi. Vous êtes vous d'ailleurs, vous avez une fratrie ou vous êtes fille unique? Comment J'ai deux sœurs. vous avez deux sœurs? Alors justement, parlez-moi un petit peu de la relation avec vos sœurs. Est-ce que c'est une relation qui est fluide, qui s'est toujours facilement faite ou pas justement? Ben, là, ça va beaucoup mieux avec mes sœurs. Je m'entends très très bien avec elles. Mais pendant des années, c'était soit l'une, soit l'autre qui me tournait le dos, quoi. D'accord. Parce que alors vous êtes à quel niveau de de la hiérarchie Je suis de la l'aînée. fratrie? Vous êtes l'aînée, d'accord. Et Ouais. elles étaient toujours unies et éventuellement unies avec vous ou c'était enfin comment parce que la triangularité dans une fratrie est toujours compliquée, c'est toujours deux contre un, c'est rarement trois ensemble. Ouais, c'est ça. Et alors vous aviez le sentiment que c'était finalement ou l'une ou l'autre avec vous? Donc, c'est-à-dire que vous faites toujours partie du clan des deux contre une, ou ça pouvait, Voilà. ou c'était deux contre vous. C'était soit on était toutes les deux contre une, ou soit c'était les deux contre moi. Mais là, en fait, mes deux sœurs se parlent pas, mais moi, en fait, je parle aux deux, quoi. Voilà, j'ai pas envie d'être soit avec l'une, soit avec l'autre. Là, moi, je parle aux deux et je m'entends très bien avec les deux. D'accord. Puis, si elles me disent des choses sur l'une ou l'autre, ben moi, je répète pas, comme ça, j'ai pas d'histoire, et puis c'est leur vie, c'est pas la mienne. D'accord. Et alors, quand vous dites maintenant ça va mieux, ça c'est depuis quand d'ailleurs les relations vont mieux avec vos Depuis que soeurs? ma belle-mère, elle est morte, en fait. C'est con à dire, hein, mais pendant 20 ans, elle s'est mariée avec mon père, elle m'a mis des bâtons dans les roues, elle pouvait pas me voir, et du coup, elle a monté la tête à tout le monde contre moi. Et depuis qu'elle est décédée, ça fait 2 ans, et du coup, j'ai retrouvé mon père et mes sœurs, et tout va bien. D'accord. C'était votre mère ou Ouais. votre belle-mère, pardon, je n'ai pas entendu. Ma belle-mère. Belle-mère, Et ma d'accord. belle-mère. Ouais. Et puis ma mère, en fait, j'ai eu des relations pareilles, en fait, elle m'a mis pas mal aussi de bâtons dans les roues. Et donc, du coup, j'ai coupé le pont carrément avec elle. D'accord. Alors, Ouais, moi, si c'est pour me faire du mal, c'est bon, j'ai pas envie, donc j'ai coupé les ponts avec elle, elle fait sa vie, je suis la mienne. D'accord. Alors, dites-moi justement, Catherine, alors vos parents se sont séparés, vous aviez quel âge? Comment les... Comment... 17 ans. Pardon? 17 ans, et 17 ma ans. belle-mère m'a foutu à la porte de chez moi parce que je faisais un apprentissage en cuisine. Oui. Et elle m'a foutu à la porte de chez moi à 17 ans, et depuis, je me débrouille toute seule, quoi. C'est pour ça qu'aussi, j'ai un caractère peut-être fort, et je suis une battante, en fait. Bien Parce que sûr. bah, je me suis toujours battue, hein, quelque part. Alors, c'est cela qui est d'ailleurs intéressant. Et puis, pour les auditeurs qui nous écoutent, vous êtes un joli exemple d'un choix que l'on fait effectivement dans la vie. Dans la vie, quand on est éprouvé, quand on nous laisse pas une place, on ne nous reconnaît pas une place, on peut être soit tenté de se dire qu'on est ce que les autres nous disent que l'on est, c'est-à-dire rien, sans place, ou au contraire, on a besoin de animer d'une force de vie incroyable, on a besoin de prouver à tout le monde que quoi qu'il en coûte, vous vous donnez le droit d'exister, vous vous donnez une place. Et en l'occurrence, c'est comme cela que vous vous êtes construite et c'est ce qui vous fait justement être cette battante. C'est-à-dire que ce sont les épreuves de la vie qui ont forgé votre caractère, quand d'autres, les mêmes épreuves, peuvent les empêcher d'oser la vie, d'oser croire en leur capacité. Donc déjà, c'est une belle qualité qui est la vôtre. Maintenant, cette qualité, elle s'est faite quand même sur des choses compliquées, sur des choses douloureuses, à savoir déjà la non-reconnaissance, le non-accueil paisible et aimant d'une maman, d'après ce que je comprends, hein. Ah oui, ouais, j'adore mes enfants. Non, de votre maman à vous, de votre maman à Ah vous. oui. Ah oui, non, non, elle, non, non. On fait sa vie, je fais la mienne, moi je veux pas. Et ça depuis Enfin, toujours, depuis que vous êtes petite. voilà. Depuis que mes parents, ils ont divorcé, en fait. Parce qu'avant, ça se passait comment, en fait, avant qu'ils ne Ben, divorcent? me tapait dessus tout le temps, quoi. J'étais un peu Cendrillon à la maison, quoi. Le mercredi, je faisais. À 14 ans, je gardais mes sœurs, fallait que je fasse à manger, fallait que je repasse le linge. Dès que j'ai oublié, il fallait que j'étende le linge. Enfin, si j'avais oublié un truc, elle me mettait une branlée, quoi. Et il y a 19 ans, à 19 ans, elle m'en a mis une. Du coup, je l'ai regardée noire, elle m'a tenu les mains, parce qu'elle croyait que je l'aurais tapée. Et quand j'ai eu mon fils à 24 ans, en fait, ça se passait très mal avec le papa, donc on s'est séparés. Et là, elle a voulu m'enlever mon fils, quoi.
Et là, je l'ai regardé, j'ai dit, oh là, ça, faut... non, ça, tu pourras pas me le faire. Du coup, eh ben, c'est moi qui lui ai mis, ben, en fait, je lui ai tiré les cheveux et je lui ai mis un coup de poing. Mais voilà, parce qu'elle voulait m'enlever mon fils, quoi. Donc, non. Et depuis, eh ben, la relation, elle est froide. Ah ben, je peux comprendre. Mais voilà, ok, elle a changé. Vous n'y allez pas par quatre chemins, effectivement. Mais non, mais aussi, elle m'a poussé à bout, quoi. Voilà. Je comprends. Mais moi, je ne suis pas méchante de fond, mais quand on me pousse à bout, ouais, après, j'arrive plus à me contrôler, quoi. Oui, bon, ça, c'est quand même la nécessité de se contrôler. Il faudra quand même que vous y réfléchissiez, parce qu'on peut, quand oui, même là, apprendre. J'avais 25 ans, donc oui, j'étais jeune, sûr. Mais maintenant j'arrive à me contrôler quand même. D'accord. Sinon, ne vous étonnez pas d'effrayer celle que vous voudriez comme amie, hein, tout de même. Ouais, voilà, mais c'est ce qu'ils me disent. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit mon meilleur ami. C'est, mais tu fais peur aussi des fois comment tu parles. Donc les gens, ils ont peur de toi. Mais j'ai dit, mais attends, mais. Ouais, je sais pas. Eh bien, en tout cas, c'est ce qui est très joli aussi d'entendre, c'est vos sourires aussi qui sont derrière et votre humour, non, et qui est aussi, ah qui oui, font ouais, partie aussi, d'humour. Voilà, et qui font partie aussi de ce côté battante, parce que justement, vous êtes, voilà, vous avez envie de voir la vie aussi jolie quoi qu'il en soit. Reste que quand même, vous avez une histoire un peu lourde avec votre maman, c'est-à-dire que l'idée d'être celle qui doit endurer pour je ne sais quelle raison, peut-être parce que vous savez un enfant est né, c'est toujours compliqué puisque ça veut dire la découverte de la maternité pour la maman, et pour X raisons votre mère n'a pas été dans la tranquillité de cela, dans la tranquillité d'accueillir son enfant, et du coup elle a été, de toute évidence, de ce que vous m'en dites en tout cas, assez maltraitante d'une certaine manière, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc du coup, vous avez certes, peut-être aussi nourri une certaine défiance par rapport à cette première femme, puis ensuite des sœurs qui ont été moins maltraitées que vous d'ailleurs. Ah oui, oui. Bah, la petite dernière, c'est sa chouchoute d'ailleurs. Elle lui parle. Mais moi, une fois aussi, comment? Une femme, enfin la maîtresse, mon fils, il avait 3 ans, mon troisième. Enfin, c'est une histoire que je vous raconte comme ça, hein, pour vous donner juste une idée. Mm-hmm. Voilà, mon troisième, il avait 3 ans. Moi, je commençais ma formation de poids lourd et du coup, elle devait le garder au soutien. Mm-hmm. Et elle l'a pas gardé au soutien, elle l'a mis au car. Mais moi, j'avais personne pour le récupérer. Du coup, j'ai dit ce que j'avais à dire à la maîtresse, quoi. Du coup, je l'ai même fait pleurer. Mm-hmm. Et dans mes paroles, en fait. Et puis, donc là, j'ai une copine qui me l'a récupérée et elle l'a emmenée à ma mère. Et ma mère, elle fait, non, de toute façon, elle se démerde avec ses gosses, je suis pas sa nounou. Par contre, tous les mercredis, et tous les week-ends et pendant les vacances, elle garde les enfants de ma petite sœur, quoi. Parce que ça a toujours été sa chouchoute. Du coup, comme j'ai ma sœur, tu vois, moi, elle aime bien, en fait, elle s'en fout, mais toi, les tiens, c'est ses préférés, quoi. Mais après, je m'en tape, en fait, c'est... Si elle veut, de toute façon. Et puis quand elle voit mes enfants, elle fait, purée, qu'est-ce que t'as grandi, t'es en quelle classe, machin. Bah, j'ai dit, bah ouais, t'as vu, tu te prends une claque, là. Mmh. Comme quoi, c'est la vie, hein, qui se retourne à l'envers et c'est elle qui se prend une claque, hein. C'est pas moi qui lui en mets une. Parce que du coup, elle s'est... Du coup, elle se trouve toute seule dans son coin. Ah oui, elle se retrouve seule, elle n'a pas vu ses petits-enfants évoluer, elle n'a pas créé de lien avec eux. Et elle a loupé des rencontres. Non, parce qu'à l'âge de 9 ans, elle m'a téléphoné. Mon fils, il avait 9 ans, pas moi, mais mon fils, et c'est lui qui a décroché. Et puis, elle est en train de m'insulter au téléphone, et puis elle fait, maintenant, tu dis ça à ta mère. Et mon fils, il a répondu, tu sais quoi, mamie, jamais je dirais ça à maman. Non, ça, c'est des mots qu'un enfant ne peut pas dire à sa maman. Et il a fait, du coup, j'ai pris le téléphone, et j'ai dit, qu'est-ce que tu viens de lui dire? Elle n'a pas su me répondre. Et Lilian, j'ai jamais su, enfin, mon grand, pardon, il n'a jamais su me dire ce qu'elle avait dit au téléphone. Et puis là, je lui dis, maintenant, tu fais ta vie, moi, la mienne. Je ne veux plus entendre parler de toi et c'est à partir de ce moment-là que j'ai coupé les ponts. D'accord. Donc parce qu'elle a voulu tourner mon grand contre moi, mais comme je suis très fusionnelle avec mes 4 enfants, donc du coup, elle ne peut rien faire contre moi. Quoi. Mm-hmm. Elle n'arrivera pas à les tourner contre moi. D'accord. Et vos enfants, vous avez donc... alors, un grand, c'est un garçon. Ensuite, c'est quoi? Ma fille, garçon, fille. D'accord. En fait, j'en ai un qui a 16 ans et la petite, elle a 20 mois. D'accord. D'accord. Ouais. Et ils sont tous du même papa? Non. Non, non, c'est 3 papas différents. Donc le premier, il a son papa. Les 2 autres, il n'y a plus de papa parce qu'il m'a tapé dessus pendant 4 ans. Donc j'ai porté plainte pour violence conjugale. Mm-hmm. Donc j'ai mis 3 ans à m'en remettre mentalement. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai un fort caractère parce que, voilà.
je me suis reconstruite toute seule. Et ma petite dernière, eh ben, non, on s'est séparés aussi parce qu'on ne s'entendait pas du tout, voilà, pour des raisons personnelles. Mais on s'entend toujours bien en tant qu'amis, hein, comme le papa du grand. Mais voilà, je veux... Ils aimeraient bien revenir, mais moi, je ne veux pas. Moi, c'est bon, j'ai donné une fois, j'ai donné deux fois. Enfin, j'ai donné une fois et je n'ai pas envie de redonner, quoi. Mmh. En tout cas, vous avez une capacité à rebondir qui force le respect, Catherine. Vous avez une envie de vivre, de vous faire respecter. Alors peut-être que tout ça manque un peu de, peut-être un peu de douceur, mais on peut comprendre aussi qu'il est difficile d'avoir la douceur dans le lien avec les autres quand on sait que les autres sont capables d'une grande violence à son égard. Donc vous avez une capacité à vous protéger, peut-être un peu défensive, mais en tout cas qu'elle mérite de mettre à l'abri vos enfants et de vous mettre à l'abri de la violence que les autres pourraient trop longuement agir sur vous. Ça c'est sûr, ça c'est vrai, parce que dès que je vois que... Enfin voilà, ça c'est vrai que je les protège. Mmh. Ouais. Enfin, je me protège moi, et ouais, c'est vrai que je les protège, moi et mes enfants, ouais, on se protège. Ouais, là-dessus, il n'y a pas de doute. Et alors, du coup, évidemment, ça, vous savez bien le faire. Mais évidemment, le problème de la protection, c'est qu'on a tendance à se mettre une cotte de maille. Et du coup, on devient un peu inaccessible pour les autres. Et en l'occurrence, pour les femmes qui d'abord ne comprennent pas ce qui fait votre attitude un peu bulldozer, parce qu'elles n'ont pas la même histoire, tout simplement. Elles n'ont pas la même lecture de la féminité. Et puis peut-être que justement vous avez du mal à être tranquille, j'allais dire, dans votre féminité, parce qu'il vous a fallu jouer un peu tous les rôles pour remplacer une maman d'abord, pour remplacer les hommes qui ne sont plus à vos côtés quand vous élevez pour élever vos enfants, jusqu'à faire des métiers, puisque vous me disiez hier que votre premier métier c'était chauffeur poids lourd, c'était ouvrier. Ah oui, c'est ça, c'était moi, je travaillais en usine, voilà, dans la restauration, ouais. Voilà. Donc en fait vous prenez des métiers quand même assez j'allais dire assez musclés. Et qui demande d'abord de la force, de l'énergie, du tempérament, qui vous demande beaucoup, hein, et qui ne vous font peut-être pas explorer justement cette féminité qui est la vôtre. Et du coup, les femmes en face de vous ne doivent pas très très bien trouver le pont, le lien à faire avec vous, puisque elles sont en lien avec une femme, mais qui, comme vous me disiez hier vous aviez une phrase, vous disiez je suis un homme dans un corps de femme. Et donc du coup, certainement que ça doit les déstabiliser fortement. Non, j'ai une mentalité d'homme dans un corps d'une femme. Voilà, c'est ça, mentalité d'homme dans un corps un corps de femme. Oui, vous n'êtes pas un homme, bien sûr. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, moi je parle... En fait, moi, je vais avec les gars, quoi. Mais c'est bête, hein. Mais s'ils me racontent des blagues sur un peu sexe, machin, mais moi, je réponds comme si j'étais un homme, quoi, en fait. Mm-hmm. Des fois, je vois des gars qui regardent des femmes, je suis allée bonne, enfin, elle est bien foutue, hein. Alors que c'était même, alors que c'est pas moi de le dire, quoi. Mais voilà, c'est vrai que j'ai une mentalité d'homme. Et alors justement, évidemment, vous comprenez que les femmes sont un peu déstabilisées parce que on n'a pas le même comportement selon que l'on parle à un homme ou à une femme. Quand bien même on n'a pas de projection amoureuse, par exemple, dans un lien avec un homme, on sait qu'on parle à un homme et on a un comportement face à un homme qui n'est pas du tout similaire au comportement que l'on pourrait avoir face à une femme qui serait en face de soi. Et vous devez parfois les déstabiliser justement parce qu'elles ont en fait en face d'elles une femme, mais avec des comportements qui ne participent pas de leur culture, j'allais dire, de fonctionnement. Ouais, c'est vrai. Parce que même moi, quand je suis avec une femme, en fait, je suis en face de moi, comme par exemple, là, je suis en face de vous, je ne saurais même pas quoi vous dire. Alors pourquoi ? Alors justement, vous voyez, donc il y a bien de ça. Elles sont déstabilisées, mais qu'est-ce qui fait que justement, vous n'osez pas investir, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est comme si vous aviez une difficulté à habiter pleinement votre corps de femme, votre fonction de femme. Pourtant, vous faites tout comme une femme, hein. Vous avez eu des amoureux, vous avez eu des bébés, vous avez eu des grossesses, des accouchements, vous élevez des enfants, tout ça sont des choses purement féminines. Mais malgré cela, il y a comme une sorte de...
vous qui êtes rentre dedans, fonceuse, il y a une sorte de timidité à être paisiblement une femme. Et du coup, face à une femme qui est plus ouvertement avec une mentalité féminine, vous êtes un peu perdue, donc vous ne savez pas communiquer avec elle, et elle en face, elle ne sait pas communiquer avec vous. C'est ça, et je ne sais pas comment m'y prendre en fait. Eh oui, parce qu'en fait... Moi, je souhaite un apprentissage. Oui, non, mais vous avez raison, c'est un apprentissage. Et si la vie qui vous a éprouvé vous a fait trouver un moyen de vous en sortir en étant extrêmement forte, donc à cause des écueils de votre vie, vous avez appris beaucoup de force, mais à cause aussi de ces écueils-là, vous n'avez pas fait l'apprentissage du droit et du plaisir à vous sentir une femme. Donc du coup, du coup vous avez vous avez la gouaille comme ça. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous permettez pas d'être dans la douceur de votre il y a rien de mièvre dans ce que je viens de dire, mais dans la tranquillité, dans le plaisir d'être une femme, de vous sentir une femme, de vous voir être une femme, et du coup être accueillie et reconnue par le groupe des femmes faisant partie de ce groupe là. Ouais, donc faudrait que je vois quelqu'un pour en parler, ou est-ce que je fais des séances d'hypnose? Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que déjà, ça peut être vous amuser à vous dire, oser des choses de fille, je fais exprès de dire fille, pour voir si ça vous amuse ou pas. Ça peut être, donc ça pourrait être aussi, je sais pas, vous mettre dans un groupe de quelque chose que porté exclusivement par des femmes. Ça pourrait être effectivement d'aller voir un thérapeute pour parler de votre féminité, pour réparer cette féminité, parce que je crois qu'en effet votre maman l'a beaucoup malmenée. Ça pourrait être donc après voir ce quelqu'un, ça pourrait être quelqu'un qui utilise l'outil de l'hypnose, ça pourrait être quelqu'un qui utilise l'outil de la parole, de l'échange, comme vous le faites ici maintenant avec moi, ça pourrait être j'allais dire, il y a des coachs en je sais pas quoi d'ailleurs, mais qui vous aident à réfléchir votre positionnement, ça pourrait être de la danse, ça pourrait être, vous voyez, des choses qui vous prennent un peu à contre-pied, et vous vous amusiez à vous découvrir, parce que ça n'est pas à inventer, vous êtes intrinsèquement une femme. Mais vous n'avez pas été accueillie comme telle, donc vous ne savez pas prendre tranquillement cette position féminine, parce que elle vous est apparue comme étant une marque de faiblesse, puisque la brusquerie de votre mère est derrière la brusquerie de votre belle-mère, et également vos sœurs a beaucoup malmené cette féminité. Du coup, vous n'osez plus, comme si vous vous sentiez toute nue quand vous êtes fille. Alors, vous vous sentez jamais aussi costaud et aussi forte que quand vous êtes plus mec, vous voyez. Mais c'est bien de savoir, c'est bien d'être un peu musclé comme ça. Mais le problème, c'est que ça rend la place des hommes amoureux un peu difficile déjà. Et puis les femmes, elles ne comprennent pas très bien comment communiquer avec vous. Et vous-même, vous ne comprenez pas comment communiquer avec elles. Ouais, d'accord. Ben, en fait, l'histoire du coach, ça me plairait bien ça. Oui, il faudrait que j'essaye de trouver un coach. Oui, il faut bien sûr pas aller chez quelqu'un qui ferait n'importe quoi, hein, mais voilà, il y a des femmes coach. Avoir quelqu'un qui va vous aider, à vous réparer, vous interroger, vous aider à vous mettre en scène, à vous amuser dans votre féminité, à découvrir le pouvoir, parce que ce n'est pas de la faiblesse que d'être une femme. Découvrir au contraire le pouvoir merveilleux que ça ouvre pour vous, de vous, de la compréhension de vous et de la communication différente et extrêmement riche avec les autres. D'accord. Ouais, c'est moi, je vois ma fille, elle a... Eh ben, elle a plein de copines et elle s'entend super bien avec ses copines. Et du coup, ben, je lui dis rien, quoi. Je la rabaisse pas, je la laisse vivre sa vie, en fait. Et vous enviez d'ailleurs la capacité qu'elle a à s'entendre bien avec ses copines?
Non, je me dis heureusement encore qu'elle n'est pas comme moi. Parce que voilà, je suis contente qu'elle est entourée de copines. Et non, je suis vraiment contente pour elle parce que je ne veux pas qu'elle soit comme moi, quoi. Surtout pas. Ouais, et à la fois, ce qui est chouette, c'est que les enfants peuvent hériter de la difficulté des parents, mais il leur appartient aussi de s'émanciper de cela. Et de même que vous avez fait grandir vos enfants dans suffisamment de sécurité pour que votre fille puisse justement avoir cette facilité, cette aisance à communiquer avec les filles, eh bien, vous pouvez aussi apprendre de votre fille du plaisir qu'elle en a et de voir qu'elle n'est pas faible à pouvoir communiquer avec des filles, qu'elle n'est pas faible à s'amuser avec des filles, et que vous pouvez vous aussi, ça peut être dans une tenue, dans un maquillage, sans jouer la poupée Barbie, sans être dans la caricature de la féminité, mais voilà, allez vous amuser à vous sentir femme. D'accord. Je suis vos conseils. C'est pour ça en fait j'étais là, mais faut que je fasse quelque chose, mais quoi? Et pourquoi je suis comme ça? Mais parce que j'ai même mon collègue hier soir qui m'a dit: Catherine, t'es un peu sauvage. Bah bon. Bon. Vous avez... je comprends pas. Ah bon? Tu trouves? Il dit ouais, je trouve que t'es sauvage quand les gens t'approchent. Je sais pas. Tu te renfermes sur toi-même ou alors tu te. Comme vous disiez tout à l'heure, je me protège. Voilà. Oui, vous êtes. Vous savez, vous faites penser aux chevaliers moyenâgeux là, avec leur cotte de maille, avec leur glaive, ah ouais. Avec évidemment vu sous cet angle. Oui, ça avec en robe, avec des choses. C'est sûr. Vous aimez d'ailleurs vous habiller de façon féminine ou vous êtes pas à l'aise? Ah non, je suis pas à l'aise. Moi, je me mets jamais en jupe. Ah ben bah voilà. Ah voilà, peut-être non, que c'est... Toujours, là, je suis habillée en pantacourt avec un débardeur et mes chaussures de sécurité aux pieds. Je sors du boulot. Donc, c'est vachement sexo. Bah, c'est très pratique. Très honnêtement, c'est vraiment beaucoup plus pratique et surtout plus pratique et adapté à votre métier, bien sûr. Reste qu'à un moment donné, pouvoir vous départir non. De cela et oser pour vous-même, peut-être que chez vous et devant votre glace. Non, mais je suis pas à l'aise. Déjà, quand je vais faire les magasins, je suis obligée de demander à ma petite sœur ou à mes sœurs de venir avec moi. Mmh. Quand je vais chez elle, dans le Finistère ou sur à côté de chez moi, dans le 35, eh ben, je suis obligée de leur demander de venir avec moi pour qu'elles me choisissent des affaires, parce que moi, je suis incapable de m'habiller toute seule. Alors, ça pourrait être ça, une coach en féminité, en look, pour vous découvrir, pour aimer, vous savez. Il y a quelque chose de très émouvant à se découvrir femme dans l'acquisition d'un vêtement qui a une connotation féminine. Et encore une fois, quand je dis une connotation, c'est pas une caricature, c'est pas quelque chose qui sera outrancier de quelque manière que ce soit, mais c'est pas simplement, on se jette pas des vêtements sur nous. Ils nous habillent, ils nous racontent, ils racontent ce que l'on est, ce que l'on a envie de montrer, de ce que l'on est. Et c'est important d'en prendre soin. De même qu'on choisit pas une culotte et un soutien-gorge au hasard. C'est pas parce que c'est pour être dans la séduction, juste pour par respect pour soi, par reconnaissance du fait que vous êtes une femme et que vous avez un corps de femme et que ce corps a besoin d'être reconnu. Si une maman ne l'a pas reconnu, si une belle-mère l'a malmené aussi dans le regard et l'exclusion, bien, il vous appartient, vous, d'accueillir votre corps et d'avoir du plaisir à... Peut-être que c'est ça qu'il faut que vous fassiez quand vous rencontrez des femmes, c'est leur demander conseil. Tiens, tu sais, moi, on ne me l'a pas appris. On ne me l'a pas appris. Comment on fait ça? Ou est-ce que tu penses que ça m'irait? Ou tu ne voudrais pas venir avec moi? Voilà, créer un lien sur pas ce que vous savez et vous maîtrisez, ou elles ont l'impression d'être complètement larguées puisque vous êtes capable de remplacer tout un régiment entier alors qu'elles n'y arrivent pas, mais plutôt leur demander conseil sur leurs compétences féminines pour créer du lien avec elles, justement. Ah, mais par contre, les sous-vêtements, si, ils restent quand même assez féminins, quand même. D'accord, donc vous aimez ça, mais parce que ça, c'est caché, alors, c'est ça. Voilà. C'est ça, ça c'est caché, alors vous voulez pas. Mais vous voulez pas montrer que dessous ce débardeur et ce pantacourt et ces chaussures de sécurité, il y a une femme avec des jolis dessous qu'elle s'est choisie pour elle, pour son confort et son plaisir. Ouais, c'est vrai. Ouais.
Vous savez, c'est très joli. On a perdu dans notre société le rapport des femmes entre elles, parce que souvent les femmes sont ennemies les unes des autres. Je trouve que ça critique beaucoup aussi les femmes. Moi, je m'en méfie, parce que quand elles se parlent entre elles, moi, je trouve que les femmes, c'est beaucoup plus méchant que des hommes. C'est pour ça que je m'entends plus avec des hommes, parce que voilà, c'est pas méchant. Mais les femmes entre elles, elles sont méchantes. Hein. En fait, vous savez, je crois que c'est une histoire assez contemporaine, la méchanceté des femmes entre elles, parce que je pense que quand on voit dans les tribus primitives, les femmes vivent entre elles, les hommes entre eux, et les hommes et les femmes se rencontrent évidemment dans leur vie amoureuse, mais il y a vraiment une séparation des fonctions et des places, et du coup les femmes sont des sœurs, quand bien même elles ne sont pas issues de la même famille, elles sont des sœurs et elles vivent les relations, les émotions, entre générations, elles se transmettent des savoirs et des connaissances. Aujourd'hui, dans notre société, on est très éloignés les unes des autres, et souvent les femmes rivalisent pour être mieux que la voisine par peur de ne pas être vue, aimée ou ne pas avoir de valeur. Et ça, c'est sûr que c'est très dommageable. Mais il nous appartient de créer du lien communautaire. On n'est pas obligé de n'être en lien qu'avec notre famille. Il nous appartient d'avoir le plaisir d'échanger 3 mots avec la voisine, avec ses commerçants, d'avoir envie de partager un gâteau, une conversation, de demander de l'aide à l'une ou à l'autre. Et puis, ne pas s'arrêter sur ce qui parfois fait effectivement quelque chose d'un peu critique. Un peu gratuit, parce que les autres ont aussi le droit d'avoir peur, hein. c'est pas grave, hein. Faut pas s'arrêter à cela. Mais là, en fait, je me suis inscrite sur OVL justement pour rencontrer du monde, surtout des femmes, en fait. Mais bon, comme là, mercredi prochain, on va dans un restaurant, donc j'ai vu qu'il y avait deux ou trois femmes qui viennent, donc avec moi, on va être 4-5, enfin voilà, après, j'ai pas regardé, je sais pas, mais voilà, mais du coup, j'y vais. Bon, il y aura des hommes, certainement. Enfin, il y aura des hommes, mais... Donc, déjà, j'essaye de créer des liens comme ça. Avec la boulangère, je m'entends très bien avec elle. On rigole. Mais voilà, ça reste assez... Enfin, voilà, je garde... Enfin, je fais attention à ce que je dis, parce que, voilà, après... Oui, mais on peut... Ouais. Les femmes, quoi, je m'en méfie, parce que je trouve qu'elles ont la critique facile, quand même. Alors, comment voulez-vous qu'elles se méfient pas de vous si vous-même, vous vous méfiez d'elles? Ouais, c'est vrai. Hein, c'est-à-dire ouais. Qu'on ne peut pas demander aux autres d'être capables de ce que l'on ne se permet pas ou de ce que l'on ne fait pas ou n'ose pas. Donc il faut déjà partir du principe que même si on est un peu inquiet quant à l'autre, eh bien on y va. Si on est mal reçu, ben on est mal reçu. Mais on peut aussi reconnaître que soi-même on a un peu peur aussi. Hein. C'est parce qu'on ne sait pas très bien, comme vous me disiez tout à l'heure, si vous étiez en face de moi, je ne saurais pas quoi vous dire. Alors que ce n'est pas vrai, vous voyez, on se parle depuis 43 minutes. Oui, parce que je vous ai au téléphone. Et voilà, c'est-à-dire parce que au téléphone, vous n'êtes pas avec votre corps. Et c'est ça qui vous pose un problème. C'est que si vous étiez en face de moi, vous seriez dans votre corps de femme et tout d'un coup, vous seriez encombré de ce corps-là. Et c'est avec lui que vous devez faire la paix. D'accord. Bon, et ben, je vais suivre vos conseils. Je vais regarder si je peux trouver un code déjà. Oui, mais demande à ma voisine si elle peut venir avec moi. Enfin, lui expliquer un peu le cas. Oui, voilà. Et puis... Je réapprenne à être féminine. Mais comment on est féminine et de quoi vous parlez aussi? C'est ça. Je sais pas. Voilà, c'est ça. Et puis si vous vous entendez bien même avec la boulangère, pourquoi vous seriez pas amie avec votre boulangère, voyez? Oui, c'est vrai. Des fois, j'ai envie de l'inviter à l'apéro et puis je dis oh non, après je sais pas si elle va me juger ou pas. Et voilà. Donc, et on est reparti. Vous croyez qu'on va vous juger? Bah si elle vous juge, tant pis pour elle. C'est dommage, elle passe à côté de vous. C'est pas grave. Ouais, c'est vrai. En plus, je suis quelqu'un. En plus, je sais pas. Voilà, je suis gentille. Je sais pas, faux méchant. J'aime bien plaisanter. C'est pour ça qu'avec mon meilleur ami. Mais même là, on a fait un truc avec les voisins là récemment. Et même mon voisin, il me dit, mais yo, avec ton meilleur ami, t'as une complicité. Il parle d'un truc. Hop, tu reprends la parole et tu sais ce qu'il va dire d'avance, quoi. Mm-hmm. Bah, j'y vois, parce que ça fait 9 ans qu'on se connaît. Mais c'est voilà. Parce que lui, que c'est un homme, quoi. Donc j'ai plus de facilité avec les hommes qu'avec les femmes, ça c'est vrai. Alors j'ai des SMS pour vous, alors un qui n'est pas signé, où on vous propose peut-être un compromis dans un club de danse country. Ah, j'y ai pensé, j'aimerais bien faire ça, ouais. Bah voilà. Mais le problème, c'est que j'ai pas le temps.
Eh bien, ah ben voilà. Ah, ça aussi, mais non, le mais temps. Le week-end, moi, je travaille le week-end et la semaine, je garde mes enfants, donc j'ai pas le temps. Oui, mais je suis sûre que vos enfants adoreraient être dans le milieu de tout ce monde qui danse avec de la musique et ils se trémousseraient les uns et les autres aussi. Mais quand je fais la fête chez moi, ils sont là aussi, puis ils s'amusent, ils dansent. Voilà, bah, peut-être, mais plutôt que de le faire simplement entre vous, peut-être aller dans un truc qui soit un peu à mi-chemin entre justement de la danse, mais à la fois quelque chose avec lequel vous soyez un peu plus familière et qui rejoigne un peu plus là où vous en êtes aujourd'hui. Et puis vous avez... En plus, à côté de chez moi, il y a un club dans le country, mais ça fait des années que j'y pense, mais j'ose pas y aller. Ah, eh bien, petite coquine, c'est peut-être ça qu'il faudrait commencer à faire. Et voilà. Je suis vos conseils. Et puis il y a Anthony qui vous disait qu'il vous transmet son amitié et son soutien. Voilà. Ah, c'est gentil, merci. Et donc vraiment, vous êtes pleine de vie, Catherine. Donc oui. Ne la gardez pas pour vous. Écoutez, allez la partager un petit peu. Bah ouais, j'aimerais bien, mais bon voilà. Ben merci beaucoup de m'avoir écouté ce soir, parce que bon, après j'avais un peu honte aussi de passer de l'antenne pour raconter ça. Oh, pourquoi? Mais vous voyez, vous vous jugez trop. Bah ouais, je sais, mais vous, tout le monde parle de leurs problèmes, et moi c'est pas vraiment mon point. Enfin, et pourquoi vous n'auriez pas de place comme les autres? Bien sûr que si. Ouais, bah d'ailleurs merci pour vos conseils, parce que maintenant ça me rebooste en fait. Eh ben c'est bien. C'est bien. Prenez grand soin de vous, Catherine. Merci, et puis vous de même. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Catherine Blanc sur Europe 1. Bonsoir, Olivier. Ah oui, bonsoir. Bah, déjà en préambule, je voudrais dire, la dame qui vient de passer avant moi, elle est super. Moi, je la trouve formidable. Enfin, le genre de personnalité très attachante et très, très, très sympa. Et puis, le garçon qui est passé hier soir, le jeune garçon qui a eu une enfance très compliquée, aussi un garçon qui a l'air super. Il n'a pas eu de chance, mais un garçon vraiment extraordinaire. Je suis assez d'accord avec vous, Olivier. Ben oui. Et donc, moi j'avais appelé, en fait, il y a 4 jours, il y avait une dame qui était un peu dans le même genre de situation que moi, c'est-à-dire qu'il ne voyait plus ses enfants. Elle avait vécu avec un pervers, hein, et qui, lui, a vu de ses enfants. Je crois qu'elle avait elle avait des problèmes d'alcoolisme ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est qui avait déclenché mon appel. Et parce que moi, en fait, j'ai divorcé il y a 12 ans. Hein. Mmh. Et je me suis retrouvé dans la situation d'être le père éjecté, et surtout avec les enfants qui ne voient plus leur père. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'ai essayé d'user de mon droit de visite, et la mère faisait tout pour que les prises en charge soient conflictuelles, soient difficiles. Et elle trouvait toujours des façons de faire, on va dire, pour me mettre en difficulté, ce qui n'est déjà pas simple tous les 15 jours de prendre ses enfants. Et en plus, on démarrait le week-end à chaque fois dans des situations toujours très tendues. Mmh. Et donc, je me suis retrouvé à un moment donné à renoncer. Parce que les enfants m'appelaient et grosso modo, en début de week-end, ils m'appelaient la veille et ils me disaient « Écoute, demain, on a maman va faire quelque chose, on a bien avec elle. Ben, » Je leur disais, restez avec votre mère et je passais pour le papa qui abandonne. Ou je disais non et j'étais le papa qui embêtait les mamans ou embêtait les enfants. Quoi. Mmh. Quelle que soit l'option, j'étais toujours en difficulté. À chaque fois, c'était un chantage permanent par rapport aux enfants, par rapport à... elle essayait de montrer, regardez comme votre père est pas gentil. Enfin, j'ai été suivi pendant 2 ans, en fait, par un psy. J'y allais 2 fois par semaine, pratiquement pendant 2 ans. Et je relatais tout ce qui m'arrivait à chaque fois, et mon psychiatre me disait que j'avais affaire à une femme qui était dans un système matriarcal, sectaire, et qui était une pervers, c'est le mot à la mode, mais moi, c'était des notions et des modes de comportement qui m'étaient totalement étrangers. Donc, je comprenais absolument pas ce qui m'arrivait, et je devenais dingue.
Et donc, c'est ce qui m'a amené à aller voir un psy, parce que jamais j'aurais imaginé aller voir un psy. Et puis, je me suis rendu compte en même temps que souvent, il y a des gens qui vont voir les psys parce qu'ils fréquentent des malades et qui, eux, sont dans le déni et sont... voilà. Donc, et moi le sujet de mon appel, en fait... Donc ça fait maintenant 12 ans qu'on est séparés. Mes enfants ont 19 et 21 ans. Il y a une fille et un garçon. Alors ma fille a été très rapidement dans le rejet. Et j'envoie des messages, moi, depuis 12 ans, une fois au départ, pendant les 5 premières années, j'envoyais une fois par semaine un minimum un message à laquelle j'avais régulièrement pas de réponse. Alors, j'ai espacé depuis, on va dire, tous les 15 jours, 3 semaines, que je n'oublie pas, que je pense. Mais enfin, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'échange, donc ça reste très, très... ça reste assez difficile. J'essaie de suivre leur scolarité au travers de leurs différentes écoles, quand j'ai pu avoir des informations. C'est-à-dire pas directement par eux, c'est par le biais de l'info. Ah oui, à chaque fois, jamais par la mère de toute façon. Mmh. Et l'an dernier, j'ai fait appel, parce que on va dire qu'elle a mis les enfants dans une telle situation, c'est-à-dire qu'elle s'est servie d'eux comme d'une arme, c'est qu'à un moment donné, on va dire que j'avais un plan épargne logement qui était à mon nom, vous savez où je veux en venir. À l'époque, nous étions mariés. Ma banquière m'avait appelé. Les taux étaient très intéressants. Elle m'avait dit, vous devriez en ouvrir un deuxième au nom de votre enfant. Comme ça prendra le relais. Ce que j'avais fait, entre-temps, la séparation, je casse mon plan épargne logement. Et depuis 10 ans, je mettais toutes mes économies sur le compte de ma fille. Et il y a 2 ans, j'ai eu besoin d'argent. Et je vais voir ma banquière et qui me dit, écoutez, il faudrait la signature de votre fille, est majeure, fille parce qui qu'elle est la majeure. Propriétaire du... Et puis, elle n'était pas majeure encore. D'accord. Non, donc c'était il y a un petit peu plus de temps que ça. Elle avait 16 ans à l'époque, donc ça fait un peu plus de temps que ça, le temps passe vite. Et il fallait la signature de la mère. Et donc, je l'appelle. Et ma fille était capable de dire, c'est mon argent. Et... Après, j'ai eu mon fils qui m'appelle, qui dit « Oui, t'as donné de l'argent à ma fille, à ma sœur, puisque je ne donne pas les noms. » Et alors, je lui ai expliqué, parce que si vous voulez vivre dans une réalité où tout est biaisé, tout est tourné, tout est vrillé, la réalité, je lui ai dit « Écoute, j'ai jamais donné d'argent à ta sœur, mais par contre, si ta sœur le garde, elle me vole. » Parce que, voilà, c'est... Et donc, bon, ça c'est pour mettre un peu le climat. Hein. Dites-moi, Olivier, vous avez quel âge pour que je situe ? J'ai 56 ans. 56 ans, d'accord. Ouais. Et donc, en fait, après ma thérapie, parce que je reprends le fil du truc, après ma thérapie, après ma crise, on va dire, parce que j'ai fait une très grosse dépression. Hein. Et en fait, mon psy, de temps en temps, va m'appeler. Comme ça, pour prendre des nouvelles, pour voir un petit peu l'évolution. C'est-à-dire qu'il s'était noué une relation, parce que mon histoire était quand même assez peu commune. Mm-hmm. Et pourtant, semble-t-il, il en avait eu, mais il a trouvé que la mienne était quand même particulièrement... Et donc, il prend de temps en temps les nouvelles, et la dernière fois que je l'ai eu, donc je lui ai dit ce qu'il en était, il m'a dit « Ah oui, c'est... » À mon avis, c'est pas sûr qu'ils reviennent. Et je trouve ça assez inquiétant. C'est votre psy qui dit ça. Oui. Mmh. C'est-à-dire que pour lui, il était assez pessimiste sur le retour. Parce que si vous voulez, quand bien même, puisque mes enfants en plus, enfin ma fille en tout cas, fait des études visiblement assez brillantes, et je sais pas, les sectes fonctionnant comme elles fonctionnent, c'est-à-dire que dans les sectes, vous avez des gens qui ont un parcours et professionnel et disons intellectuel, il y a des gens dits très intelligents, en tout cas très instruits. Donc on peut se dire que effectivement, étant aliéné par la mère, et en plus elle a mis ses enfants dans une situation où le jour ils prendront conscience qu'ils m'ont volé, qu'ils se sont trompés, comme l'adulte d'une façon générale a du mal à reconnaître ses erreurs. Donc, des enfants, enfin, parce
puisque à 20 ans, on n'est quand même pas encore fini. Et donc, on va dire, moi, j'étais amené à faire le deuil, d'une certaine façon, de mes enfants. C'est-à-dire que étant un père très investi à l'époque où nous étions ensemble, c'est-à-dire que j'étais très partie prenante, j'étais très très présent au maximum de ce que je pouvais, j'avais un métier assez prenant, et je me suis retrouvé du jour au lendemain dépossédé de tout. Voilà. Et financièrement, et de vos enfants, et de votre rôle paternel. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu du jour au lendemain, sans rien voir venir. Et non, c'est une histoire assez, assez terrifiante. Et mon environnement, c'est-à-dire que mon ex a été jusqu'à me dénigrer au niveau de mon environnement. Mais enfin, c'est des gens qui me connaissent depuis très longtemps, donc ça n'a pas porté à conséquence. Moi, je l'ai su justement parce qu'ils m'ont apporté. Mais elle a voulu me, entre parenthèses, me tuer. Mais me tuer psychiquement, parce que ce sont des gens qui sont très habiles, qui vous prennent par vos faiblesses. Enfin, c'est par vos faiblesses. Oui, effectivement. En tout cas, d'éliminer le dérangement que vous, le grain de sable que vous êtes dans son organisation familiale. Dans son plan de vie. Oui, c'est ça. Enfin, je ne rentrerai pas dans le détail de sa vie. C'est-à-dire que, grosso modo, comme je disais à mon psy, nous étions faits quand même pour nous rencontrer. Même si, quand on dit les opposés s'attirent, alors c'est vrai que quand on a 30, enfin quand on a 20 ans, 30 ans, c'est pas complètement faux. Faut être souple, faut être ouvert, faut être. Absolument. Mais on se rend compte que nos schémas familiaux étaient assez emboîtés, c'est ça. Pas emboîtés, justement. C'est-à-dire que psychologiquement, j'avais une éducation, moi, assez. Très catholique, à l'époque. Alors Olivier, si vous permettez, on va faire une petite pause. Et là, vous avez un peu planté le décor. On fait une petite pause et je vous retrouve tout de suite dans quelques minutes. D'accord. Ne raccrochez pas, tout de suite. Ceux qui nous rejoignent, nous sommes encore ensemble sur cette libre antenne jusqu'à 1h du matin. Je me tiens au rendez-vous de vos préoccupations afin de vous aider à les démêler. C'est au 39-21, Sonia et Quentin vous accueillent. Vous souhaitez réagir au témoignage ou participer de votre bienveillance, alors envoyez-nous un SMS au 7-39-21 en faisant précéder votre message du mot « nuit ». Vous pouvez également envoyer un mail, le site europe1.fr, rubrique Libre Antenne. Europe 1. Catherine Blanc. Et nous vous retrouvons, Olivier. Vous êtes toujours là ? Oui, je suis toujours là. Alors, donc pour au cas où certains auditeurs nous rejoindraient, je répète un petit peu ce que vous venez de m'expliquer. Donc, vous avez 56 ans et vous avez un garçon et une fille, enfin une fille de 19 ans, c'est ça ? C'est bien la fille qui a 19 ans et le garçon de 21 ? Ma fille a 21 ans. D'accord, votre fille, elle est née. 19 ans. D'accord. Ouais. Et vous êtes séparés de leur maman depuis l'âge de. Depuis 12 ans déjà. Et votre ex-femme s'est organisée une élimination du papa, une diabolisation d'une certaine manière de leur père. Et du coup, vous avez des liens qui sont rompus avec vos enfants. Et à cela s'ajoute une histoire matérielle d'un compte plan épargne logement que vous avez ouvert pour des questions d'intérêt économique et qui se trouve être notamment ouvert au nom de votre fille sur lequel vous avez déposé de l'argent et qui aujourd'hui est rapté par votre fille plus ou moins en conscience compte tenu de ce que vous imaginez être la manipulation de sa maman, hein, c'est ça. Oui, mais enfin, disons l'histoire d'argent, c'est
vraiment pas un problème. Oui, non, mais je veux dire, c'est pour raconter, voilà, c'est raconter le contexte, en fait, où les enfants ne réalisent pas qu'ils ont été happés, d'après, en tout cas, c'est comme ça que vous l'entendez, qu'ils ont été happés jusqu'à poser des actes qui sont la non-reconnaissance même de votre existence, puisque ils usent d'un compte sans votre accord, sans lien avec vous, en quelque sorte. C'est simplement pour dire contextuellement les choses, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, c'est-à-dire que c'est psychologiquement, pour eux, on va dire que la mère, par le biais de cette manipulation, les met en difficulté, parce qu'à un moment donné, ils vont peut-être prendre conscience quand même qu'ils ont fait une bêtise, et ils seront un peu embêtés pour se rapprocher de moi, on va dire. Parce que ça disons qu'elle elle a créé un conflit, moi, c'en est pas de mon côté, mais parce que je suis au courant de la manipulation, parce que je sais comment ça fonctionne. Mais je sais la stratégie et les stratagèmes qui ont été mis en route. Mais eux, par contre, à leur insu, le jour où ils vont comprendre ce qui s'est passé, effectivement, ça, ils seront quand même bien embêtés de pour reprendre contact avec moi. Enfin, je sais pas, je suis pute. Alors, avant, puisque vous parlez de contact, pour que je n'oublie pas, puisque quand je vous parle des fils, des tas de SMS et de mails, et parfois, évidemment, je prépare ma communication et mon attention à la personne avec laquelle je parle, j'ai des SMS qui m'échappent. Je voulais juste vous dire qu'avant de raccrocher, quand nous aurons terminé de parler tous les deux, vous seront transmis les coordonnées de Lucie qui nous dit qu'elle essaie de vous donner, enfin, qu'elle veut vous transmettre les coordonnées, que c'est pas la première fois qu'elle essaie de le faire, mais qu'elle craint que nous ne le fassions pas. Donc voilà, je vous l'ai dit, donc ne raccrochez pas et on vous donnera les coordonnées de Lucille. D'accord. Entendu, oui. Et donc, moi le sujet de mon appel, c'est... Alors l'avenir, on n'est jamais sûr de l'avenir, bien sûr, hein, mais on va dire que tout est mis en place pour... Le peu de contact, on va dire, que j'ai eu, c'est surtout avec mon fils, parce que ma fille, ça a été vraiment, dès le début, la coupure. Il y a eu un événement que je vais vous raconter par la suite. Mais et mon fils, je le vois, grosso modo, une fois par an, au cours en général, il passe le voir pendant une heure ou deux. C'est souvent au moment de son anniversaire. Et puis bon, ils n'ont visiblement pas la même nature. Mais grosso modo, j'ai le sentiment, alors j'essaie de m'en défendre, mais c'est quand même c'est assez confondant comme attitude, c'est que c'est récurrent, c'est tous les ans, peu de temps avant son anniversaire ou après son anniversaire que je le vois. Voilà, c'est très intéressé. C'est à sa demande que vous le voyez, c'est tout d'un coup il vous fait signe ou c'est vous? Non, qui... il débarque comme ça en général à l'improviste. Et souvent j'étais assez occupé, donc je le voyais pendant une heure ou deux, mais j'avais pas forcément le temps de passer du temps, on va dire, de façon plus personnelle avec lui. Et je lui proposais de se revoir un week-end et il donnait pas suite, ou alors il me donnait rendez-vous et il m'appelait pas, il venait pas, ou voilà. Considération, on va dire. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il vient à l'improviste, donc il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, donc à ce moment-là, vous n'êtes pas disponible, vous lui proposez un autre moment, et à ce moment-là, lui ne suit plus. C'est ça. Non, j'essaie quand même de l'être, c'est-à-dire que bon, quand vous travaillez, vous n'avez pas forcément la disponibilité, mais bon, je me débrouillais pour essayer d'établir une communication, mais c'est vrai que ce n'était pas toujours très simple. Enfin, je n'étais pas forcément très disponible, j'entends, intellectuellement. Mm-hmm. Mais bon, il a toujours entretenu, entre parenthèses, un lien. Mm-hmm. Voilà. Après, ma fille, oui, alors ma fille, ça a été beaucoup plus
plus dure avec elle, était plus grande. Elle était plus grande à l'époque. Et au départ, elle ne voulait pas venir. Et puis, je me suis dit, mon psy me disait, non, il faut la forcer à venir, machin. Donc, c'était déjà l'hystérie quand elle venait. Après, elle finissait par se calmer, mais enfin, restait enfermée dans son coin. Et puis, et je ne sais plus dans quelles circonstances, enfin, on a commencé un petit peu à discuter, machin. Elle s'est énervée, elle a commencé à me taper dessus. Mmh. Alors, j'ai pas réagi dans un premier temps, elle a insisté, alors du coup, je l'ai mis une gifle, et ça l'a calmé d'un coup, et puis après, elle s'est renfermée, et pendant le week-end, je l'ai plus vue. Et puis, 3 jours après, je reçois une convocation du commissariat de police et de la cellule de violence intrafamiliale. Et donc, je leur ai parlé. Enfin, ils m'ont interrogé. Il y avait 2 messieurs. C'était un peu genre garde à vue, avec le gentil et le méchant. Mm-hmm. Et donc, je leur racontais un peu ce qui s'était passé. Et parce qu'il y avait une toute autre version. Et puis, ils ont fini quand même par me croire. Et je lui ai dit, mais vous vous rendez compte? Donc, maintenant, les enfants ont le droit de taper leurs parents. Et les parents, ils disent rien. Mmh. Alors, ils me disent, mais si, vous pouviez faire quelque chose. Je lui ai dit, ah bon? Et ils me disent, oui, vous n'aviez qu'à porter plainte contre votre fille. Mmh. À l'époque, elle avait 12 ans. Mmh. J'ai dit, alors là, ça faisait quand même 1h30, 2h que j'étais avec eux. Alors, au bout d'un moment, j'ai dit, écoutez, la version, vous l'avez, je vous l'ai répété 10 fois. Et je leur ai dit, écoutez, on marche sur la tête, là, je vais porter plainte contre ma fille, comme si déjà, c'était déjà simple. Parce que je veux dire, tout a été fait pour compliquer la situation. Donc, à un moment donné, bon, ben, j'ai arrêté. J'ai renoncé à mon droit de. C'est-à-dire qu'à la base, j'avais un droit de visite libre. Et puis, forcément, accompagné, à défaut d'accord, un week-end sur deux et la moitié des vacances. Et à chaque fois, il y avait toujours quelque chose qui empêchait les choses. Donc, ben, j'ai renoncé avec ma fille parce que je préférais qu'il n'ait pas de souvenirs que des souvenirs que, de toute façon, dès que les enfants étaient avec moi, elle ne supportait pas, c'était les appels incessants, c'était enfin, du harcèlement permanent. Et puis, on essayait de faire des trucs un peu sympas. Ah, mais tu sais, je t'ai interdit de faire ça, et je t'ai interdit de faire ça. Enfin, c'était effrayant. Donc, grosso modo, c'était pas un droit de visite, c'était un droit de garde. Oui, c'était. Voilà, elle était obligée de me les donner pour le week-end. Donc. Mais bon, ça servait à rien. Donc, déjà, que même dans un divorce normal, je pense que c'est pas simple, une fois tous les 15 jours, de récupérer ses enfants. Il y a toujours un petit laps de temps, un petit flottement. Mmh. Mais alors, quand c'est conflictuel à ce niveau-là, c'est totalement impossible. Alors, Olivier, si vous permettez, on va essayer de démêler déjà des choses, parce que j'entends bien le contexte, et malheureusement, comme vous le disiez d'ailleurs en préambule, ce genre d'histoire existe que trop souvent. Et donc votre histoire, elle doit faire certainement écho à des tas d'autres, comme vous-même vous avez reconnu votre histoire dans un précédent témoignage. Vrai. C'est quand je les entends tous les deux, ils sont touchants parce que quand on voit les dégâts que ça fait, parce que ce sont un petit adulte, enfin le jeune homme devait avoir 26 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et quand on voit les dégâts que ça fait, alors que enfin, c'est des enfants, et c'est moi, ça me fend le cœur. Moi, je suis dans un schéma familial, on ne peut plus classique, des gens normaux, et c'est vrai que j'ai fait des enfants à une femme dont la famille est plus que dysfonctionnante, et je pensais lui montrer que c'est dans ce sens-là que j'étais en train de dire que nos histoires étaient cohérentes. C'est-à-dire que moi, j'ai été élevé dans l'altruisme, l'écoute, dans la. Moi, je voulais sauver le monde, quoi. Mmh. Je trouvais que j'avais eu de la chance et je voulais sauver un petit peu. Parce que ce garçon-là, par exemple, le garçon qui était là hier, mon ex-femme, c'était un peu ce schéma-là. Et bon, comme c'était une femme, je voulais l'aider. Et puis, bon, il s'est trouvé qu'on s'est plu. En tout cas, elle m'a beaucoup plu. Et je pense que je lui ai plu quand même. Et donc,
Et en fait, je voulais lui montrer que le monde des adultes, c'était pas vraiment ça. Et en fait, elle est ni plus ni moins dans la reproduction de sa propre histoire. Et surtout, on se demande même si elle règle pas ses comptes avec sa mère pour lui montrer qu'elle gère mieux son divorce que sa mère. Quoi. Ouais. Alors, justement, c'est ça qui est... De toute façon, c'est toujours assez compliqué, les histoires, parce que ce que votre femme... Enfin, c'est pas une génération spontanée, c'est-à-dire que ce que votre femme... a vécu avec vous, ou vit avec vous, ou fait vivre à la relation, et puis fait vivre à ses enfants, n'est pas une invention qui démarre chez elle. C'est sa lecture des dangers de la relation, des enjeux de la relation, compte tenu de ce qu'elle a elle-même reçu dans son bagage éducatif, etc. Et de même, vous, quand vous allez faire ce choix d'épouse-là, avec une envie héroïque de l'en sortir, eh bien, vous aussi, vous jouez votre partition familiale, bien évidemment. Ah, mais c'est ce que j'ai compris. Alors, et je dirais même, il y a peut-être des jeunes gens qui moi, je dis, les psys, c'était des personnes, jamais j'aurais imaginé les fréquenter. Et depuis, j'ai même échafaudé une théorie, je me suis dit, à chaque fin de parcours éducatif, c'est-à-dire arrivé à 20 ans, tout le monde devrait aller chez le psy pour un débriefing de son éducation. Parce que moi-même, j'avais quand même des valeurs très chevaleresques, mais totalement erronées par rapport à la réalité du monde. On a tous, de toute façon, c'est-à-dire qu'on a tous une vision de notre fonction d'homme ou de femme et des risques que nous encourons dans la rencontre avec l'autre. Non, mais ce que je veux dire, avec les risques psychiques, c'est-à-dire que, du coup, avec une idée de ce que nous avons à faire, à jouer dans la relation à l'autre. Alors, déjà, je voulais revenir sur vos enfants, parce que, évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que toute la difficulté pour les enfants, c'est qu'ils sont, ils sont souvent coincés par des conflits de loyauté. Et les conflits de loyauté avec leur maman sont particulièrement forts, puisqu'ils sont issus du ventre de leur mère, dans une dépendance, pensent-ils, à leur mère. Et évidemment, avec un besoin de protéger leur mère parce qu'elle va vous identifier comme un danger pour elle. Et donc, du coup, pour avoir la sécurité de leur lien avec leur maman, ils doivent la protéger de vous. Et du coup, d'abonder dans le sens éventuel de son discours à elle. Et puis, selon l'âge qu'ont vos enfants, à ce moment-là, eh bien, c'est compliqué. Vous y parliez de votre fille à 12 ans dans un comportement que vous décriviez un peu hystérique. Mais 12 ans, c'est un moment compliqué, puisqu'elle elle va rentrer dans sa puberté avec une difficulté d'être une jeune fille qui rentre dans son cheminement de jeune femme et qui du coup irait vers un papa quand tout ça peut être un peu effrayant, parce que c'est trahir maman, aller voir papa, avoir du plaisir à être avec son papa et donc avec une idée symboliquement oedipienne angoissante. Vous me suivez jusque là? Ah oui, mais j'ai entendu, c'est ce que me disait mon psy, hein, tous ces syndromes, toutes ces mécaniques, mais c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent. C'est vrai que c'est ça, le syndrome de loyauté, tout ça, toutes ces notions-là, je les connais. Et le problème, c'est qu'elle ne peut pas sortir de ça sans risquer de se mettre en péril. D'ailleurs, moi, ce que je me disais, c'est que je pense à un roman que je lisais de Sophie Broca, qui est Le cercle des femmes, et où justement il est question de la troisième génération qui justement va découvrir finalement ce qu'elle porte de patrimoine qui fait la peur des hommes, la peur de construire une relation avec les hommes et l'élimination des pères. Et je me disais que dans quelle mesure que vous ayez vous fait le deuil de vos enfants, que vos enfants soient pas dans la capacité à vous rencontrer aujourd'hui, c'est une chose. Mais je sais d'expérience
que tôt ou tard, parce que vos enfants deviendront parents, parce que votre fille aura le père de ses enfants auprès d'elle et se posera la question du père justement et donc du sien, parce que votre fils deviendra père et se posera la question du père parce qu'il le devient lui-même ou de la difficulté de le devenir parce que il aura zappé le sien de père, eh bien il y a un moment où tôt ou tard on a envie, ou parce qu'on n'arrive pas à rentrer dans son rôle d'adulte, ou parce que justement on réalise l'importance de la relation duelle et de la richesse de cette altérité, eh bien à ce moment-là on réinterroge son origine à soi. Souvent quand on met au monde un enfant ou engendre un enfant, eh bien on se repose la question de notre propre venue au monde et du coup de qui nous a fait. Et je trouve que si il n'est pas question de leur faire violence et de leur imposer votre présence, s'ils ont envie de croire ce qui est à croire ou ce qui ne l'est pas à croire venant de leur mère, il n'empêche que laisser des choses et des ouvertures pour que le jour où ils auront besoin d'interroger la question de la paternité qui est la vôtre et de votre rôle et de ce qu'ils en ont cru par rapport à ce qui était, et de pouvoir interroger votre version comme pour faire écho à la version de leur mère ou pour faire pendant de la version de leur mère, et de leur laisser le droit de cheminer entre ces deux versions. Mais pour ça, il faut que vous n'ayez pas disparu, pour pas que, que vous soyez quelque part, par un courrier, par un envoi d'une manière ou d'une autre, qui leur permet de, vous savez, comme le petit poussé, qui permet de laisser des petits cailloux sur le chemin pour qu'ils retrouvent, s'ils le souhaitent, quand ils le souhaiteront. Et pour ça, il faut avoir de la patience, bien sûr. Ah, mais j'entends bien, mais de toute façon, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est ce que je fais. C'est-à-dire que moi, demain, ils peuvent venir me voir, moi, il n'y a aucun frein, et j'entretiens justement cette relation, et ça fait quand même 12 ans que j'entretiens cette relation sans avoir d'écho. C'est ça qui est. Mais vous savez, symbolique. Hein, j'entends oui, bien par sûr. Là, mais il faut savoir donner et laisser cheminer. C'est-à-dire qu'il y a des moments, par exemple, moi là, je vous parle, comme un psy avant moi vous a parlé, et d'autres, et des gens autour de vous. Il y a des choses que je vous dis que vous entendez intellectuellement, mais qui nécessairement ne font pas toujours écho. Puis il y a des choses qui feront écho beaucoup plus tard. Ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire que on donne des choses à l'autre et on laisse l'autre cheminer tranquillement, s'approprier les mots, en faire bon usage ou pas, louper les occasions ou pas. C'est aussi ça, aimer l'autre et aimer ses enfants. Aimer ses enfants, c'est les laisser, c'est accepter qu'ils nous lâchent la main avec tout ce que cela renvoie de très douloureux pour soi. Parce que je leur ai lâché la main, il n'y a pas de problème. Non, c'est ça. Mais c'était symbolique, ce que je voulais dire, bien sûr. Non, mais j'entends bien. Non, mais j'entends bien. Mais même à l'époque où, justement, à l'époque où nous étions ensemble, ça fait peut-être partie, parce qu'elle est extrêmement. C'est même pas possessive, c'est extrêmement. On va dire, comme elle a été quand même assez malmenée dans son enfance, elle était au contraire extrêmement, sinon oppressante, mais enfin, par rapport aux enfants. J'ai dit, mais lâche-les, laisse-les faire. Quoi. J'ai toujours essayé de les laisser aller de l'avant. Et ce qu'il y a, c'est que, je les ai tellement laissés aller, c'est que justement le fait de renoncer à mes droits de visite, c'était plus pour les protéger, parce que de toute façon, c'était quand on se voyait, c'était la possibilité pour la mère de me mettre en difficulté, et elle savait que j'étais frustré de ne plus les voir, parce que je vous dis, du jour au lendemain, de ne plus voir ses enfants, c'est effrayant. Ah, mais c'est très cruel, bien sûr. C'était monstrueux. Et puis quant au devenir, c'est vrai que je suis assez perplexe, parce que elle-même, elle est née, leur mère a eu
quatre enfants de trois pères différents et le père de mon ex, elle ne le connaît pas. Mmh. Voilà, elle ne se souvient pas, soi-disant, la mère, elle ne se souvient pas de qui c'était. Et elle est née entre l'aîné et la cadette. Mmh. Voilà, donc c'est un schéma quand même pas très simple. Et elle, ça n'a pas eu l'air du... Elle a fait avec ses armes, mais enfin, moi, je ne lui en veux absolument pas, cette femme. Parce que elle, quand on connaît son histoire... On comprend qu'elle puisse être coincée dans sa propre histoire et qu'elle puisse être, comme je le disais tout à l'heure, ou comme ce roman, coincée dans ce qu'a déjà agi sa propre mère et qui l'a privée d'une paternité en ne disant pas qui est le père qui est son père. Résultat, à son tour, très certainement, elle est dans la difficulté à offrir à ses propres enfants un père. Alors, bien sûr, vos enfants savent qui est leur père, mais d'une autre manière, elle les en prive peut-être. Mais en tout cas, c'est qu'elle elle est dans le déni de sa propre histoire. C'est ça. Oui, mais elle y est pour rien. Moi, c'est ce que je lui ai expliqué. J'ai dit, tu y es pour rien dans ton histoire. Tu n'es que la victime. Mais ce qu'il y a, c'est que là, tu deviens complice de ton histoire dans la mesure où... parce que mes enfants, ils ont le droit aussi à leur histoire. Bien sûr, mais c'est à eux aussi maintenant de la conquérir. C'est-à-dire que c'est sûr. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, à un moment donné dans nos vies, nos rencontres, une belle famille, et souvent la naissance d'un enfant ou la question de faire naître un enfant réinterroge cette question-là. Et toutes ses sœurs et frères. Ils ne voient plus leur père et ça leur pose pas de problème. Ce sont des adultes. Donc c'est là où c'est quand même mon histoire est quand même pas banale parce que c'est quand même moi ce que disait mon psy, c'est un schéma matriarcal sectaire. C'est-à-dire que tout ce qui concerne la vie extérieure, c'est-à-dire que mes enfants ne venaient pas à mon anniversaire, j'ai invité. Mais par contre, pratiquement tous les week-ends, ils avaient un anniversaire chez les cousins de mon ex ou chez... Mmh. Il y avait un oncle de mon ex. Enfin, c'était uniquement du côté... Oui, maternel. Et voilà. Et à la fois, vous savez, quand on est trop enfermé dans le maternel, on y étouffe. Et encore une fois, comme vous disiez tout à l'heure que Catherine était formidable, l'auditrice précédente, voilà, certains vont se laisser noyer et puis d'autres vont réagir comme Catherine. Donc, vous parliez de votre fille qui fait des brillantes études. Eh bien, donc, elle a un cerveau bien fait. Et on peut aussi se dire que ce cerveau peut lui permettre de reconsidérer les choses un jour, quand ce sera son temps. Elle est grande, bien sûr, elle a 21 ans, elle est maintenant majeure pour tout le monde entier, puisque dans tous les pays, ça n'est pas 18 ans. Mais effectivement, comme vous le disiez, elle est encore dans un processus de développement psycho-affectif, puisque c'est d'une façon... grosso modo, ça va jusqu'à 26 ans, la construction psycho-affective. Même au-delà, je vous dirais. Oui, mais je parle moi, je dis on est fini à partir d'une quarantaine d'années, éventuellement. Voilà, mais parce qu'on a vécu d'autres choses. Mais en tout cas, dans sa construction, de l'ordre de la construction, elle est encore dans sa dernière phase adolescente, bien qu'elle ait déjà 21 ans. Donc, laissez-lui le temps de reconsidérer les choses, de faire face aussi à un ordre orgueil qui devra aussi accepter ses propres erreurs ou ses propres... d'aveuglement, simplement, d'aveuglement, vous voyez, c'est... Ah, mais elle s'est protégée, c'est évident. Bien sûr, bien sûr. C'est évident, c'est sûr. Donc moi ce que je ne saurais que trop, puisque vous avez fait un travail, vous le faites encore, ou en tout cas de vous inviter à... Parce que j'entends aussi, évidemment, toute la colère qui à l'égard de votre ex-femme qui est encore assez présente, et on peut le comprendre. C'est pas la colère, j'ai des difficultés à parler sans émotion, parce que c'est vrai que c'était tellement... c'était le projet de ma vie, c'est-à-dire que j'ai eu mes enfants assez tard, parce que justement je voulais avoir un socle économique et parce qu'il y a tellement de gens qui font des enfants parce qu'ils peuvent pas avoir de chien. Oui, sans mesurer les conséquences. Mais oui, c'est parce que c'est ça. Et les responsabilités. Les gens ne se rendent pas compte de l'implication que c'est d'avoir des enfants, quoi. Mmh. L'implication même affective. Parce que c'est vrai que quand les enfants arrivent, on a tendance un peu à mettre le couple un peu entre parenthèses pendant quelques années parce que ça prend du temps, parce qu'on est fatigué, parce que voilà.
c'est ça qui est terrible. Donc c'est moi c'est vrai que quand j'entends parfois des ça fait pas très longtemps que je vous écoute, mais là ces deux derniers jours des personnes mais vraiment touchantes, moi ils vont me vraiment toucher parce que c'est des gens gentils, et s'ils avaient été dans un bon contexte, ils auraient fait des choses, en tout cas pour le jeune homme. Moi, si je pouvais, je l'aiderais bien. Eh bien, justement, vous savez, c'est peut-être justement une bonne idée. Il y a des moments où on ne peut pas vivre sa paternité génétique, mais on peut faire des un transfert, voilà, sûr, absolument, et trouver être un parrain de cœur, et pourquoi pas, eh bien, avant de quitter cette antenne, de transmettre vos coordonnées pour qu'elles lui soient transmises, et qu'éventuellement actuellement, vous ayez des rapports sans jouer le père et lui le fils, d'enrichissement de deux hommes qui peuvent s'apporter des choses parce que lui en manque furieusement. Exactement. Voilà, Olivier. Donc, je vous propose de rester en ligne pour qu'on puisse éventuellement, si cela vous intéresse, donner ou transmettre vos coordonnées. Mmh. Et de votre côté, je vous invite à jouer au petit poussé pour laisser le chemin pour vos enfants, pour qu'ils puissent vous retrouver, même dans le noir, même s'ils devaient rester encore longuement dans le noir. Bien voilà, leur laisser matière à, et peut-être offrir le roman dont je vous parlais à votre fille, par exemple. Voilà. Tout à fait. Il faudra me redonner les coordonnées. Eh bien, pareil. Je laisse Quentin vous les donner en antenne. C'est très gentil à vous. Je vous souhaite une très très bonne soirée, Olivier. À vous aussi. Merci. Merci. Bonne soirée. Au revoir. C'était Renaud qui a embrassé un flic. Europe 1. Catherine Blanc. Et nous accueillons Dominique. Bonsoir Dominique. Bonsoir Catherine. Merci de m'écouter à l'antenne. Mais je vous en prie. Je suis très émue. Un peu stressée, j'ai peur de ne pas savoir m'exprimer. Ne vous inquiétez pas, je vais vous accompagner pas à pas. Merci. Alors, dites-moi un petit peu d'abord ce qui fait votre appel. Après, on dénouera, on essaiera de comprendre le contexte. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui se passe? C'est très complexe, en fait. Il n'y a pas qu'un souci, il y en a de multiples. Je rejoins l'auditeur précédent, Olivier, qui se plaignait de ne pas voir ses enfants. Moi, c'est un peu la même chose. J'ai deux fils. Il y en a un que je n'ai pas vu depuis plus de 10 ans. Mmh. Et l'autre, qui m'a donné un petit-fils, mais que je ne peux voir que tous les mois et demi ou plus quelquefois. Et qui ne cherche pas à établir de lien. Enfin, je n'ai pas la possibilité d'établir un lien avec mon petit-fils en voyant si peu. Parce qu'il y a une distance géographique ? Non, pas du tout. Non. Vous habitez la même ville ? Il estime que chez moi, ça n'est pas digne de recevoir un enfant de cet âge. Pour quelle raison ? Parce qu'il y a des animaux, donc ça n'est pas hygiénique, plein de choses comme ça, quoi. Alors qu'il a lui-même été élevé dans ce contexte-là. Oui. D'accord. Oui. Bon, c'est vrai que, parce que il n'y a pas que ce souci-là, j'ai des problèmes de dépression. Mmh. Je suis dépressive depuis mon enfance. J'ai eu beaucoup de soucis dans ma vie. Mais j'ai surtout maintenant cet isolement quasiment total. La seule relation que j'ai vraiment, c'est une fois par semaine, je m'en vais voir une vieille dame de 82 ans. Uh-huh. C'est à peu près tout, quoi. Puis je sais même pas si je peux appeler ça un ami. Qui m'a beaucoup déçue aussi, qui me fait des tas de promesses et qui n'y tient pas. Qui vit avec vous ? Non, du tout. C'est un ami... Amitié. Oui. Et bon, il se trouve que maintenant, ça fait des années que je vis comme ça.
et que plus le temps passe, au plus j'ai des difficultés justement à nouer des liens avec les gens. Ce qui arrive, c'est alors que je souhaite l'inverse, mais je suis de plus en plus recroquevillée dans ma coquille et j'évite les gens. J'ai l'impression qu'ils sont une source d'ennui, de problèmes et que personne ne peut me comprendre. D'accord. Et alors, vous êtes séparée du papa de vos enfants depuis quand ? Oui. Oh, depuis très longtemps, depuis quasiment leur naissance. Donc vous les avez élevés toutes seules ? Oui. Enfin, j'ai eu un compagnon pendant quelques temps, mais c'était la même chose. J'avais des difficultés avec lui aussi. Je n'avais pas les moyens financiers d'élever mes enfants correctement toute seule. Et je me suis sentie obligée de rester avec cet homme. Mais il n'y avait pas d'amour. Lui aussi, j'avais l'impression qu'il me trahissait. Je n'avais pas de bon rapport avec sa famille. Enfin, rien n'allait, quoi. Et quant à moi, je n'ai plus de famille, je n'ai pas d'amis, j'ai rien. D'accord, vous étiez fille unique ? Non, j'avais un frère, mais que malheureusement, je vais vous paraître un peu bizarre, mais c'est un frère que j'ai fini par bannir parce qu'il a toujours été source de conflits. Je suis née 13 ans après lui et il ne m'a jamais acceptée. Voilà. Et vos parents, vous les avez plus parce que vous avez perdu ? Je les ai perdus très tôt. J'avais 28 ans quand je les ai perdus tous les deux. Tous les deux, ils sont morts tous les deux en même temps ? D'accord. Parce que comme vous avez un grand écart d'âge avec votre frère, voilà. Ils étaient vieux, c'est ça ? Voilà. D'accord. C'est ça, exactement. D'accord. Ça. Et donc à 28 ans, à ce moment-là, vous étiez déjà mariée, vous aviez déjà votre vie. Je me suis mariée juste après le décès de mes parents. Mais j'ai eu affaire à un mari qui n'était pas sérieux et qui, lorsque j'étais enceinte, il était déjà à l'extérieur, quoi. D'accord. Il vivait plus dehors qu'à la maison. D'accord. Et ça, c'est le papa, cet homme-là, ce mari, c'est le papa de vos enfants. Voilà. D'accord, très bien. Alors, Dominique, si on prend un peu les choses, si on ramasse un petit peu tout ce que vous avez pu me dire, qui est extrêmement précieux, c'est-à-dire que ce qu'on entend, c'est que quand même, d'une façon générale, vous avez, déjà l'a priori de l'autre comme étant polluant, source de problèmes. La peur des autres. Voilà. J'ai des phobies, je suis traitée pour ça, j'ai des médicaments. Quel genre de phobie ? Antidépresseurs. Oh, phobie de l'eau, phobie de l'autre, phobie du jugement, phobie de la mort, phobie de plein de phobies, phobie dans les transports. Donc c'est ce qui aussi m'empêche de pratiquer des activités. De sortir de chez vous. Ce qui m'en a... Oui, d'ailleurs, ça ne me donne plus... La seule activité que je pratique, c'est le Scrabble. Bon, Et vous jouez toute seule ou vous jouez sur ordinateur avec des vieille dame. Avec cette vieille dame du mercredi, oui. D'accord. Oui, alors évidemment, le problème, c'est que vos fils, qui ont donc grandi avec vous dans un contexte, vous l'entendrez, qui est un contexte compliqué aussi, parce que quand on a une maman très dépressive, un enfant n'est pas là pour combler sa maman ou la rendre heureuse, parce que en fait un enfant, il fait tout pour évidemment être aimé de sa maman, mais quand il sent sa maman dépressive, il a le sentiment qu'il n'a même pas le pouvoir de la combler, de la rendre joyeuse, et du coup ça lui renvoie une image assez négative de lui-même. Vous comprenez, c'est-à-dire que si un enfant qui regarde sa mère voit que sa mère est dépressive, je parle d'un petit bébé, il a le sentiment que lui n'a pas assez de valeur
pour faire changer le regard de sa maman sur sa vie, sur le monde. Et du coup, c'est extrêmement, c'est extrêmement douloureux pour un enfant et du coup, difficile pour lui de construire sa confiance en lui. Donc, on peut comprendre qu'à ce titre, vos fils aient un besoin de se protéger, de protéger, notamment pour celui qui est un enfant, protéger son fils. C'est amusant, il disait que c'était pas un endroit sain, que c'était pas un endroit parce qu'il y a des animaux en termes d'hygiène, etc. Mais il me semble que c'est moins l'hygiène qui est problématique, puisque le corps humain est tout à fait capable de faire avec tous les microbes, évidemment, sinon, sinon on serait pas sur cette planète. Hein. Il faut quand même se rappeler qu'on n'était pas les rois de la douche et du bain il y a quelques siècles de cela. Mais je crois que c'est plutôt l'environnement psychique et psycho-affectif. C'est-à-dire, le but, c'est que votre petit-fils n'est pas là pour venir combler le vide de votre existence, mais au contraire pour venir découvrir auprès de sa grand-mère des choses. Je ne montre aucunement ma dépression lorsque je vais les voir chez eux. Je ne montre rien du tout. Je m'amuse avec mon petit-fils. Enfin, j'essaye. Mais bon, les parents refusent que j'apporte des cadeaux. Bon, mon fils a presque peur que je fasse tomber son enfant. Enfin, comme si je n'avais pas élevé moi-même d'enfant. Mais justement, c'est-à-dire, voilà. Et donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Hein. Il y a beaucoup d'enfants qui devenus adultes et devenus parents, tout d'un coup suspectent leurs propres parents de ne pas être capables de savoir qu'ils mangent à telle heure ou qu'il faut le changer ou qu'il faut faire attention de ne pas le faire tomber ou qu'il faut protéger le coin des tables, etc. Ouais. etc. Ouais. Et en fait, on pourrait se dire, c'est quand même, et souvent les parents se disent, c'est quand même curieux, je vous ai élevé, comment se fait-il que vous pensiez que je ne puisse pas le faire correctement encore aujourd'hui. Et en réalité, c'est parce que le parent, l'enfant devenu parent, eh bien, dit au travers de cela qu'on lui a fait du mal. Simplement, il ne peut pas dire « tu n'as pas été une bonne mère » parce que là, c'est pas comme ça que ça peut se dire, parce que c'est même pas comme ça que ça s'est ressenti. Mais le sentiment que eux, vous les avez laissés tomber. Bien sûr, vous ne les avez pas laissés tomber d'une table. Mais votre état dépressif fait que vous n'avez pas été dans la disponibilité enveloppante vis-à-vis de vos enfants. Et du coup, quand ils vous disent ça, je crois pas une seule seconde qu'il y a un problème de microbes parce qu'il y a des animaux, ni un problème que vous serez une grand-mère incapable de veiller à ne pas faire tomber un petit enfant. Mais je crois qu'au travers de ça, on vous dit autre chose. Et peut-être que votre fils, consciemment ou inconsciemment, vous dit que il s'est senti laissé tomber et il a senti ils ont senti l'un et l'autre qu'ils n'étaient pas dans un environnement sain. Et c'est pas un jugement, c'est raconter leur propre souffrance. Vous comprenez, Dominique? Et dernièrement, ici, en 2014, je me suis fait hospitaliser justement pour la première fois dans un établissement psychiatrique et il était question de faire une thérapie familiale. Seulement les deux fils ont refusé. Il n'y a pas eu possibilité, donc là j'ai perdu tout espoir, quoi. C'est surtout dommage effectivement pour la structure de la famille, pour vous, mais pour eux, parce que c'était une façon formidable, dans un cadre extrêmement justement protecteur et bienveillant, de resituer, de pouvoir dire aussi ce qui les auront fait souffrir et ce qui fait leur défiance. Si petits qu'ils étaient, j'ai toujours essayé de jouer avec eux, de les faire rire, les faire sourire. J'ai l'impression de ne jamais avoir pu établir aucun contact. Je n'ai jamais réussi.
Et vous voyez, c'est ce que vous dites d'une façon générale sur d'autres sujets, c'est-à-dire pas seulement avec vos fils, c'est l'idée que vous n'êtes pas bien avec les autres et du coup vous êtes vous-même en posture d'échec. Alors on peut aussi comprendre ne pas avoir été accueilli par un frère parce que vous êtes l'envahisseur en arrivant avec vos 13 ans, c'est ça, de différence ? Oui. De vos 13 ans de différence. On peut aussi comprendre qu'ayant perdu des parents, vous retrouvant sans lien avec votre frère et sans parents, toute jeune à 28 ans, ce puisse être extrêmement traumatisant. À ce moment-là, j'ai essayé de me rapprocher de lui, mais à chaque fois que j'ai essayé, j'ai tenté quelque chose, ça ne s'est jamais fait. Il m'a toujours rejeté aussi. Il n'y a pas eu moyen de faire quoi que ce soit. D'ailleurs, je fais une petite aparté parce que comme les SMS filent, je ne voudrais pas qu'ils ne soient plus sur mon écran. Il y a Anthony qui propose de vous communiquer ses coordonnées, qui vit lui-même dans une grande solitude et qui serait, si vous en êtes d'accord, dans le plaisir d'un échange avec vous. Donc, Quentin donnera ses coordonnées si vous le souhaitez. D'accord. Voilà, parce que oui, dites-moi. Oui, pardon. Vous voyez ce que je cherche. Je suis restée quand même encore avec un caractère un peu. Enfin, bien sûr, j'ai tout assumé dans ma vie, mais un caractère d'enfant. Et j'ai l'impression que là, j'ai tout raté quand je fais le bilan. J'ai 63 ans. J'ai raté ma vie professionnelle. J'ai raté ma vie conjugale. J'ai raté ma vie familiale. Donc, et puis à l'âge que j'ai maintenant, je ne vais pas recommencer une vie. Donc, je ne vois pas d'avenir. Je ne vois plus de solution. Je ne vois plus. Oui, mais j'entends bien et c'est intéressant que vous disiez que vous avez eu le sentiment d'avoir toujours fonctionné comme une enfant. Parce que mes parents aussi se sentaient bien à deux. Moi, j'étais l'accident et j'ai l'impression qu'ils m'ont élevée avec le sens du devoir, mais pas avec le désir ni avec le bonheur de m'avoir. Et ce que je cherche maintenant, malgré mon âge, qui peut paraître très, très étrange, j'aimerais avoir comme un substitut de famille, j'aimerais appartenir à un clan, à quelque chose. Mais tout ça, c'est très compliqué parce que, comme je vous disais, avec mes phobies, avec mes peurs, j'ai peur de voyager, j'ai peur de tas de choses. Donc, je ne suis pas capable d'entamer quoi que ce soit comme activité. Vous voyez que finalement, Dominique, vous êtes dans un système où vous vous bloquez toute seule. C'est-à-dire que vous êtes animée d'un désir, mais à la fois, vous-même, vous êtes à l'origine d'un fonctionnement phobique qui fait que vous éliminez l'autre, vous avez peur de ce que pourrait générer l'autre. Parce que la phobie, c'est une façon de mettre, enfin, c'est une somme d'empêchement pour ne pas laisser émerger des émotions que la vie implique, c'est-à-dire quand on rencontre, quand on voyage, quand on nage, c'est plein d'émotions possibles et c'est comme si finalement vous ne pouviez pas vous confronter à vos émotions et du coup vous avez mis en place tout à fait inconsciemment bien sûr un système de protection qui est un empêchement. Et quand vous disiez que vous avez besoin d'un clan, d'une famille, que vous vous sentez avoir beaucoup été une enfant, fonctionner comme une enfant, même votre voix aujourd'hui, à 63 ans, est une voix de petite fille. Il y a comme une plainte de petite fille. Et il y a évidemment quelque chose qui fait que du coup, c'est compliqué pour vos enfants de rencontrer une mère et une grand-mère, parce que justement, vous n'êtes pas dans cette posture de mère ou de grand-mère, mais toujours de petite fille, dans le besoin, dans l'attente. Vous voyez, vous vous êtes fait comme une enfant. Oui, avec vous.
Juste dire une petite chose. Pardon de vous couper, mais juste dire une petite chose. Vous êtes comme une enfant qui est dans son berceau. Un enfant, il souffre, mais il n'a pas les moyens de sortir de son berceau. Il est à la merci de qui viendra le soigner, le protéger, le nourrir, le changer. Et vous êtes exactement comme ça, coincé par vos phobies à l'intérieur de votre maison. Et vous souffrez vous voudriez du lien avec les autres, vous voudriez faire partie de la famille, mais vous êtes placé comme une enfant dans un berceau qui attend et souffre qu'on ne vienne pas. Et c'est ça qui est important, Dominique. Et vraiment, je pense que il y a des choses, sans aller bousculer outre mesure vos phobies, il y a des choses dans une toute petite proximité de chez vous, comme cette vieille dame, mais pas simplement que cette vieille dame, ça peut être aussi du bénévolat dans une maison de retraite, aller rencontrer des gens, ou des ateliers, je sais pas, des clubs. J'en suis pas capable, je n'y arrive pas. C'est ce qu'on m'arrête pas de me répéter, et je n'y arrive pas. Si je vais dans une maison de retraite, ça va être trop pénible pour moi. Je vais m'attacher à des vieilles personnes. Alors, allez dans une école maternelle. Alors, allons du côté des enfants. Alors, dans une école maternelle, vous savez, il y a des écoles maternelles qui font venir des adultes qui viennent lire des histoires. Je n'ai pas assez confiance en moi. Je n'oserais pas prendre la parole devant des même ne serait-ce que des enfants. Et tout donc tout vous voyez ce que vous dites. Vous n'auriez pas assez confiance en vous et vous voudriez que votre fils ait confiance en vous en vous confiant son enfant. Donc il y a quelque chose qui est ambivalent là, Dominique, et qui ne permet pas, vous n'offrez pas la possibilité à vos enfants et à votre petit-fils de prendre une place, puisque vous-même, quand je vous propose d'aller dans une école maternelle pour lire une petite histoire, pour lire un conte, et être voilà, juste de passage comme ça, vous vous sentez pas capable. Donc vous pensez bien que vous laissez un enfant, on peut imaginer que votre fils abonde dans votre sens en disant ben non, elle n'en est pas capable, alors qu'il n'en est rien. Alors Dominique, je suis désolée parce que nous nous sommes parlé tardivement dans l'émission et on va pas avoir la possibilité d'aller beaucoup plus loin. Néanmoins, si déjà je vous invite à réfléchir ce que l'on s'est dit, peut-être à réécouter, parce qu'il y a des moments où on entend des choses et puis on tout passe à côté, ça glisse sur nous comme sur le dos d'un canard, et puis il y a des moments où on est plus disposé à écouter ce qui a été dit, et voir où on s'est soi-même contredit, et puis éventuellement nous faire signe. Est-ce que je peux me permettre de rajouter quelque chose? Alors très rapidement, parce qu'on va être, c'est pas moi qui vais vous couper, mais on va être coupé. Il faut. D'accord. Au niveau de l'amitié, j'ai quand même eu une amie pendant plus de 30 ans. Je me suis occupée d'associations, j'ai fait de la protection animale, j'ai fait des tas de choses comme ça. Et à chaque fois, ça m'est retombé dessus, si j'ose dire. Les gens ont été m'ont humilié, m'ont fait beaucoup de mal. Eh bien, vous savez, alors évidemment que le monde est cruel, évidemment, Dominique, mais c'est un peu comme alors je sais bien que vous n'en faites pas, mais quand on fait du cheval, on tombe, eh bien on remonte en selle. Eh bien voilà, il vous faut remonter en selle et les gens vous déçoivent. Eh bien, les gens ne sont pas tous les gens et il y a des gens particuliers comme Anthony qui proposait par exemple de ses coordonnées pour vous appeler. Et puis qui d'ailleurs a remis à nouveau un petit SMS en disant amitié à Dominique que j'embrasse et si elle a besoin de m'appeler, pas de souci. Voilà. Merci infiniment. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous. Ne raccrochez pas, on vous donne ses coordonnées. D'accord. Voilà, l'émission se termine à présent. Je vous dis bonsoir Dominique. Bonsoir Catherine et merci de m'avoir entendue. Je vous en prie. Voilà, je vous souhaite à tous et toutes une douce nuit et vous donne rendez-vous demain, encore à 23h, pour une nouvelle Libre Antenne. Nous allons maintenant retrouver le direct de Rio, François Claus, et puis suivra ensuite Elena Morna pour Colin Maillard. Et
j'en profite donc pour remercier tous les messages qui ont été reçus tout au long de cette émission. Je suis désolée, je n'ai pas toujours la possibilité de vous lire les uns et les autres. Mais merci, je m'appuie aussi sur ce que vous écrivez pour pouvoir nourrir mon échange avec les uns et les autres. Et d'ailleurs, je regarde un petit peu... voilà, des personnes qui se reconnaissent dans les témoignages des uns et des autres, des personnes qui parlent de leur phobie. Et voilà, c'est ce qui est formidable aussi dans cette émission, c'est qu'il y a ceux qui se racontent et il y a ce qui fait écho en vous. Eh bien, je suis heureuse qu'il y ait ces jonctions entre ceux qui écoutent et peut-être lèvent le voile sur leurs propres histoires grâce à ceux qui se racontent.